Bonjour à tous, et ici PGN, et aujourd'hui, un autre épisode de Limbo. Alors, Limbo et moi, on va continuer avec les ascenseurs. Comme on l'a dit dans le dernier épisode, moi et Limbo, on a beaucoup de trucs en commun. C'est peut-être pour ça qu'on a une bonne chimie entre moi et lui. Alors, on va commencer à inspecter ça. La dernière game, on s'est... Je le regrette, mais j'ai tué Limbo, je l'ai garoché dans ce Gatling Gun-là. Et puis voyez-vous, hop, une boîte qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes d'habitude Limbo? Faut probablement faire quelque chose avec. Et je pense que Limbo a déjà trouvé qu'est-ce qu'il faut faire. Et... Oh! Quoi? Limbo s'est fait déchiqueter en deux par des balles. Ça doit vraiment pas faire du bien. Tu sais, moi, je suis là, je parle de ça que, comme si rien n'était. Limbo s'est juste fait trancher en deux. Je m'excuse, Limbo, je dois vraiment pas être un bon ami. C'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit, c'est qui nos vrais amis. Hein? C'est là que tu vois que tu peux pas nécessairement me faire confiance. Moi, je suis là, je te balance là-dedans. Puis là, je ris. Je m'excuse, Limbo, je suis pas correct avec toi. Il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à toi. Là. Excellent, je pense que c'est bien placé. Cette fois-ci, je te laisserai pas mourir, Limbo. Excellent. Ah! Ok, bon. Là, on voit que Limbo, il y avait une idée derrière la tête. Et qu'est-ce que c'est ça? Un bouton. Je me demande qu'est-ce que Limbo va faire. Ben oui, il va peser dessus. Ouais, il arrête pas. Regardez-moi ça. Clic, 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 clic. Oh, je pense qu'il a... T'as-tu brisé le bouton? Non, non, c'est beau. Il l'a pas brisé. Ça m'aurait vraiment fait rire que le bouton brise, genre, tu sais. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, à un moment donné, il pète, puis là, tu peux plus passer le stage, là. Hein, on voit que Limbo, il a la technique, un vrai contrôleur de la gravité. Puis là, qu'est-ce qu'il faut foutre avec cette boîte? On est rendu à deux boîtes. Deux boîtes, ok. Puis on peut pas la monter par là-bas. Il y a une autre boîte, là. Cool. Des ascenseurs. Ça, c'est le fun. Des boutons d'ascenseur. Lâche-moi les pitons, puis va passer le stage, mon cher Limbo. S'il vous plaît. Je vais pas faire un trouble fête, mais whoop, il y a comme un... Ouais. Faut l'apercevoir, la petite ligne qu'il y a là, hein. Les Gatling Gun. Limbo a des mauvaises expériences avec ses Gatling Gun. Et puis, c'est un petit peu de ma faute, donc je me sens un petit peu responsable. Et oh, hein, on a vu la technique, Limbo, il y a une grande expérience avec les Gatling Gun et encore des foutus boutons. Viens pas me dire que tu vas encore péter la gravité. Quoi? Quoi? T'es rendu au plafond, Limbo? Du gazon, tu te promènes? Pourquoi il y a du gazon au plafond? Quoi? C'est quoi ça, genre? Où c'est que t'es rendu dans l'univers? Limbo? T'es où, sacrement? Ta maison? T'es sûr que tu t'en vas à bonne place? Calic, ok, donc on a des boîtes, donc quand il y a des boîtes, on les traîne. C'est une règle générale dans la vie de Limbo. Parce que Limbo, il est pas... J'ai l'impression que Limbo, c'est genre le genre de petit gars qui touche à tout, pis qui fout vraiment... Pas nécessairement qu'il fout la merde, mais genre, dès qu'il voit quelque chose, il faut qu'il touche. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et puis là, je devine qu'il faut... Juste mettre ça de même, puis appuyer sur le piton. Les boîtes devraient retomber, hein, Limbo? Ah! Vite, vite, vite! J'arrive pas à croire que j'ai trouvé ça du premier coup. Quoi? C'était vraiment ça? Ok, on va descendre l'échelle. Trop fort, hein, vous. Autant que des fois, je le balance, puis je meurs des millions de fois, puis je trouve pas la solution alors qu'elle est flagrante, que des fois, je la trouve one shot comme ça, et puis que... Encore des boutons, sacrément. Wow, je pense que ça s'en vient un peu dangereux, ça, là. D'où c'est que tu sors, Limbo? C'est quoi, ça? Je savais même pas que ça existait, ces patentes-là. C'est quoi, ça? C'est vraiment que j'aille ici. Non. Moi, j'irais pas en dessous de ça à ta place, Limbo, en tout cas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant de questions dont je n'ai pas la réponse. Ça sert à quoi cette patente-là? En tout cas, ça fait de la lumière.
Moi j'aime bien ça la lumière, fait qu'on va laisser la lumière ouverte. Ok, non, peut-être, je sais pas, on va bien voir. Aha! Aha! Plus je reclique là-dessus, tout tombe. Exactement, d'accord, bon. Je sais pas en quoi ça va nous aider à progresser, mais j'ai l'impression qu'il faut garder cette piton-là allumée, et puis qu'il faut aller refermer celui-ci. C'est une impression que j'ai. Et maintenant, ça nous donne à quoi? Absolument rien. C'est là d'avoir un bouton au top. Comment qu'on peut se rendre au top? Peux-tu grimper là-dessus? Non? Non? Ok, donc pour une fois qu'il y a une corde raide, ça a l'air facile à grimper, tu peux pas grimper après. Oh, ça y tente juste pas. Un petit limbo. Alors mettons que... Ok. Si je fais ça... Que je lâche celle-là, ça fait absolument rien. Si je fais ça... Ça fait tomber les blocs. Je fais ça. Hey, mais là, tu peux passer, là, non? Non, tu peux pas. Non, pas. Ok, tu peux pas passer. Hop! Et puis que... Là... Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Donc là, ce qu'il faut, c'est que celui-là, à gauche... reste là et que celui-là à droite tombe. Comment tu vas faire ça, Limbo? À moins que tu apportes simplement les boîtes. Est-ce que c'est possible? Je pense pas. C'est pas possible. On a refait tomber la gravité, mais... Carbolic! Exactement ce que je disais tantôt. Tant qu'il y a des bouts simples... que je trouve pas partout, j'ai vraiment l'impression que la solution est simple en fait. Là. Je veux dire, il y a quoi? Il y a deux boutons. Deux foutus boutons. Faut juste que je trouve quoi faire avec, comme du monde. Là, si je pèse là-dessus, ça change absolument rien. Il doit y avoir quelque chose que je peux transporter, là. Quelque chose que je dois pouvoir amener ici. Là, la gravité est... Non, je peux même pas remonter. Ok, donc c'est définitivement pas ça. Ah, ok, Limbo, t'as-tu une idée? Ce serait le moment d'avoir une bonne idée. C'est quoi à droite? Okay, s'il y avait une boîte ici, j'aurais vraiment capoté. Là, on arrive. On baisse la gravité, mais à quoi bon? Nous autres, la gravité nous affecte même pas. Sacrement. Sac. Ok, non. Hey, ce serait vraiment débile si ce serait ça la solution. Donc ça, c'est pour la montée. Donc là, ce panneau-là, il est beaucoup plus proche de là. Et là, j'ai l'impression que ça se peut que Limbo se fasse écraser les mains. Si c'est ce que je pense, il faut être assez rapide. Est-ce que t'es correct comme ça? Soit prêt, Limbo, soit prêt, on a besoin de ta prétitude. Ok, là t'es vrai. Bon. Et ça, t'es prêt. Clique, cours, oublie ça, c'est définitivement pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux le pousser? Bah, en tout cas, moi je te vois pas pousser ce gros bloc-là. Faudrait juste que tu le tasses une petite affaire, mon cher Limbo. Là. Tasse ce bloc-là un petit peu. Je sais pas trop comment tu pourrais tasser quelque chose d'aussi gros que ça. Ben voyons. Après tout ce temps, ce serait-tu vraiment l'obstacle qui va nous donner, qui va nous empêcher de progresser, voyons. Ben voyons. Tu
peux pas t'agripper. Tu peux pas t'accrocher. Tu peux définitivement pas grimper ici. Tant que je fais ça. Et que là, j'inverse la gravité. Ça donne absolument rien. Ça donne absolument rien. Que là, j'en lâche la gravité. C'est juste pogné au plafond. Y en a-t-il un des deux qui arrive au plafond plus rapidement que l'autre? J'ai l'impression que oui. Tant que... Mais Limbo, j'ai pas l'impression qu'il court assez vite pour toutes les idées que j'ai. Alors... Ok, oui! Hey man, je pense que je viens de trouver la solution enfin! Alors, mettons que je clique... Et... reclique. Celui de droite devrait... Non. Ok, on va réessayer. Coudon, PGM, est-ce que tu serais enfin... pris? Celle-là doit être activée. Et puis là, mon objectif, si vous n'avez pas compris, c'est d'essayer de faire... Oh, je pense que je l'ai eu, j'espère. Je l'ai. Je l'ai eu! Ah! Enfin! Limbo! Ah, c'était donc bien! Là, s'il y en a qui me disent PGM, sacrément, j'avais compris depuis le début, je capote. Comment avez-vous pu comprendre ça aussi rapidement que ça? Limbo semble bien aimé être à l'envers. Alors on va le laisser en l'envers. Wow, c'est quoi ça? On va laisser PGM. Ouais. Je veux dire, Limbo, on va le laisser être à l'envers. Après cette dure épreuve, hein? Je pense qu'il va, il mérite de se reposer un peu. Alors, repose-toi bien, mon cher Limbo, parce que la prochaine fois, j'ai bien l'impression qu'il faut encore gosser avec la gravité. Je pense pas que c'est quelque chose que tu détestes vraiment. Mais quand même, j'aime mieux t'avertir. Comme ça, tu vas savoir un petit peu à quoi t'attendre dans les prochaines aventures. Alors, c'était PGM. J'espère que vous avez apprécié votre vidéo. Hein? Ouais. Je décolle!